Yo! Je vais pas parler trop fort parce que ça résonne un peu, il y a beaucoup d'espace. Écho! Donc voilà, donc je suis dans mon nouvel appart, comme vous pouvez le voir, parce que voilà, c'est pas la même ambiance. Bon, vous voyez pas encore ce qui se passe, etc. Je vais pas vous montrer tout de suite. Tout simplement parce que déjà, il y a rien qui est prêt, il y a rien qui est rangé. Je viens tout juste de m'installer. Donc je vais revenir à comment j'ai eu cet appartement, parce qu'il y a... j'avais posté sur Facebook un petit texte pour résumer, on va dire. Et puis je vous avais demandé si vous voulez plus d'informations, etc. Et si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça. Et vous avez été beaucoup à me répondre que oui. Donc voilà, je suis un peu ce que vous voulez en fait. J'essaye de faire ce qui me plaît, mais aussi ce qui vous plaît. Et du coup, si cette vidéo peut vous plaire, tant mieux. Donc tout a commencé par les visites. Donc j'ai fait énormément de visites. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris comment j'arrivais à payer un hôtel et comment je ne pouvais ne pas avoir assez d'argent pour payer un appartement, sachant qu'un appartement est moins cher qu'un hôtel. Tout simplement, ce n'est pas une question d'argent. Le problème était que mon dossier ne passait pas, tout simplement parce que je ne pouvais pas prouver que je gagnais de l'argent, car comme je l'ai expliqué, ma société est toute nouvelle et du coup je n'avais pas de bilan en fait. Donc ils demandent un bilan de société sur un an. Il faut que l'entreprise ait au minimum un an. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas justifier mes revenus. À chaque visite, toutes les visites se passaient bien et à la fin de la visite on me demandait mon dossier et quand je l'envoyais par mail, on me refusait parce que mon dossier ne suffisait pas. Tout simplement, même si le feeling passait de temps en temps, la personne après avait peur que je ne puisse pas payer leur appartement, ce qui est tout à fait normal. Je peux le comprendre. J'ai visité un appartement qui m'avait très plu au début et c'est celui auquel je me suis le plus battue pour l'avoir. C'est un appartement avec un grand salon comme je voulais, pouvoir tourner mes vidéos dans différents plans et pas être enfermée dans une petite pièce. Et je voulais juste avoir une chambre pour pouvoir dormir et puis si possible avoir une cuisine ouverte, car sinon je n'irai jamais dans la cuisine tout simplement. Ce serait une pièce sans vie. Donc cet appartement me plaisait beaucoup et j'avais fait la visite en compagnie d'une femme, donc c'était la femme du propriétaire qui m'a fait faire la visite. Donc ça s'est très très bien passé et le souci qui a eu après, c'est qu'en fait son mari, quand il m'a demandé le dossier, on a longuement été en échange par mail et par texto et par appel téléphonique, des fois dès le matin très tôt. Et en gros, j'essaie de me justifier, de trouver les moyens, etc. Il m'a demandé plusieurs choses, il voulait en plus passer par une assurance qui gère justement les loyers impayés. Je lui ai proposé plein de solutions, mais rien n'allait à chaque fois. En gros, je cherche des appartements, j'envoie des mails à tout le monde. Tous les appartements qui me plaisent, j'envoie des mails, j'appelle des appels téléphoniques, etc. Cet appart-là, j'avais fait juste un appel téléphonique, j'avais envoyé un petit texto parce qu'il ne me répondait pas. Ça faisait ça faisait plusieurs jours que je l'avais contacté. Et surprise, juste après que j'ai tourné la vidéo où je vis dans un hôtel, j'ai reçu un appel de cette personne qui me confirmait une visite. Donc du coup, je suis allée à cette visite et l'appartement m'a énormément plu. Mais vraiment, c'était l'appart, j'aurais jamais pu rêver mieux, vraiment. C'est un truc de dingue. Je suis allée à cette visite l'autre jour. Je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, mais du coup, pour moi, c'était hier. Mais cette vidéo sera postée plus tard, donc je ne sais pas quand pour vous. Mais en gros, donc hier, quand j'ai sorti la vidéo, je vis dans un hôtel. Juste après, j'avais la visite de cet appartement. Donc il était magnifique, il me plaisait énormément beaucoup. C'était vraiment, limite, c'était lui parmi tous les autres, même s'il était plus petit, parce qu'il était un peu plus petit que les autres. C'était lui et pas un autre, en fait. Et du coup, j'ai tout donné pendant la visite, comme si c'était un entretien d'embauche en fait. Tout ça s'est très très bien passé, même si la personne était un peu méfiante par rapport au fait que il comprenait pas trop, enfin il savait pas trop ce que je faisais dans la vie et que j'ai essayé de lui expliquer pour qu'il comprenne mieux, etc. Il m'a demandé mes papiers, etc. J'ai tout renvoyé juste après en fait par mail et donc il m'a dit qu'il avait d'autres personnes qui étaient dessus, etc. Donc du coup ça me faisait un peu flipper d'être en concurrence. Et le lendemain, donc aujourd'hui, j'ai reçu un appel pile quand ma vidéo est passée en tendance d'ailleurs, je crois. Genre j'ai l'impression que tout est lié, genre c'est le destin quoi. Et j'ai reçu un appel de cette personne me disant voilà, je viens de vous annoncer et moi je me suis dit, ça va, il a trouvé quelqu'un d'autre et tout. Non, il me dit voilà, je vous ai choisi. Du coup, moi j'y croyais pas trop, etc. Je me dis vous m'avez choisi, mais c'est quand qu'on signe, du coup. Je lui ai demandé gentiment, je lui ai pas dit comme ça. Je lui ai dit oui, du coup, vous voudriez signer quand, machin. Il me dit si vous êtes dispo dans la demi-heure, on fait ça tout de suite. J'ai fait what? Je me suis déplacée, je suis allée signer, et puis une fois que j'avais signé, que j'avais les clés, etc., et que la personne, que le propriétaire était parti, je suis partie chercher mes affaires à l'hôtel et j'ai fait ciao, hasta la vista. Et du coup je suis partie, voilà, et je viens d'arriver et puis
Et puis je viens de voir vos commentaires sur Facebook. Et du coup, bah d'ailleurs merci pour tous les commentaires de soutien, etc. Pour tout, 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 tout. Et du coup, bah, j'ai décidé de tourner la vidéo. Alors à la base, c'était pas prévu. Je me suis dit, je ferais ça demain et tout parce que je suis un peu fatiguée. Vu que je venais d'arriver dans l'hôtel où j'étais, il y avait une laverie dans l'hôtel en fait. Et du coup, je faisais vraiment des machines. Mais genre une fois que tout était sale, je mettais tout dedans parce que j'avais pas envie de redescendre à chaque fois, remonter, etc. Machin, machin. Et là, du coup, j'ai une machine à laver. À moi. C'est la mienne. C'est mon mien. Et j'avais lancé une machine. Et du coup, je me suis dit, bon bah tant pis pour la vidéo parce que sinon vous allez rien entendre. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un bouton pause sur la machine. Je savais même pas que ça existait. Bon, ça se trouve, ça existe depuis longtemps, mais moi, j'avais pas ça avant. Donc voilà. Donc j'ai mis pause. Et puis voilà, voilà. Du coup, je vous montrerai pas l'intégralité de l'appartement aujourd'hui parce qu'il y a rien qui est préparé, il y a pas de déco et tout. C'est nul en fait. C'est bofissime. Mais je vais vous montrer quand même quelques trucs. Enfin, surtout un truc. Je vais vous montrer ça. Alors voici le plafond. Et quand on descend, voici la fenêtre. Et regardez, hop, non, je l'ai pas dans le bon sens. Je peux aussi faire celui-là, hein, si je veux. Hop, celui-là, là-bas. Je suis trop loin. Vous voulez quelle couleur? Jaune. Allez, on met du jaune, soyons fous. Vas-y, on fait bouger les trucs. Hop là, hop, on change de couleur. Là, je veux que tu bouges. Voilà. Oh merde, ils sont pas accordés. Bon, ils sont presque accordés. Il y a toutes les couleurs. J'appuie sur n'importe quel bouton, je comprends rien. Non, arrête de bouger. Voilà, on remet du rose. Bon bah voilà. Et ici je sais, bon, il faut que je nettoie un peu. Parce qu'il y a la poussière qui s'est accumulée. Mais voilà. Oh, et regardez ce que c'est que ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Phoebe, t'es bien là près du chauffage, ma puce. Moshi s'est très bien installée déjà. Elle a déjà fait son lit et tout, alors que moi, il n'y a rien qui n'est prêt. On est déjà le soir. Est-ce que tu te plais dans ta nouvelle maison? Donc voilà, je vous montrerai la suite une autre fois quand j'aurai tout, tout nettoyé, tout, voilà. Pour tout vous dire, le loyer il est vraiment pas très cher je trouve, en tout cas sur la zone parisienne, donc c'est pas un loyer à 500 €, hein. Mais pour un appart comme ça, donc c'est un 38 mètres carrés qui donne sur un boulevard qui il y a beaucoup de bruit. Mais moi le bruit ça me dérange pas du tout. Que vous dire de plus, à part que j'ai une bonne connexion internet, j'ai la fibre optique, je vais pouvoir re-streamer. L'appartement il est high-tech design, j'ai jamais vu un appart comme ça. J'ai full chaté dessus, que de la chance. Comme si j'ouvrais une caisse CSGO que j'avais que des couteaux dedans. C'est la même chose là, j'arrive même pas à y croire. Je suis choquée. Je suis contente et choquée. Bon bah merci beaucoup de m'avoir fait quand même garder le moral. J'espère juste en fait que ce soit assez isolé pour pas déranger le voisinage. Si jamais ça fait un peu trop de bruit, du coup ben je serai obligée de streamer à peu près de 18h jusqu'à 21h30, 22h au plus tard pour pas déranger les voisins dans la semaine. Et puis si jamais je stream le week-end, je m'arrangerai pour terminer vers minuit. Il y aura plus de... Je pourrai plus faire de stream nocturne mais je ferai plus de... fin d'après-midi, peut-être début après-midi, le week-end, je sais pas. On verra, donc n'hésitez pas à me donner des jours que vous préférez que je stream, ainsi que des horaires, je regarderai et puis j'essaierai de prendre un peu tout pour que tout le monde puisse regarder. Après au mieux en tout cas, après je pourrais pas streamer tous les jours H24, ça c'est un peu dur. Même si j'ai déjà fait un stream de 50 heures de live sans dormir, je ne suis pas prête à recommencer, c'était vraiment un exploit pour moi. D'ailleurs pour, enfin en France aussi, je sais pas qui détient le record, mais en tout cas je sais que au niveau féminin, je suis, il me semble, si je me trompe pas, la seule au monde d'avoir fait 50 heures de live, je parle parmi les filles, et sans interruption, sans dormir, etc. J'ai eu des phases de micro-sommeil devant le PC parce que mes yeux ils se fermaient tout seuls, mon cerveau il se mettait en off, ça a duré à chaque fois une ou deux secondes et puis après je me réveillais. Ça j'ai pas trop choisi, mais voilà, sinon j'ai pas eu de pause. Enfin, j'ai eu une pause pour prendre ma douche quand même, parce que voilà, j'ai pris des douches, donc mais sinon ouais, j'ai pas fait de pause, donc je suis assez fière de ce record. Que vous dire d'autre à part que bah du coup j'ai donc un grand salon avec une cuisine ouverte, très ouverte d'ailleurs. J'ai une salle de bain avec une baignoire. Ce que je kiffe dans cet appart, c'est qu'il y a beaucoup de lumière et qu'on peut les changer en fait, genre c'est débile mais ça sert à rien, mais c'est trop kiffant. J'ai des toilettes séparées et puis j'ai une chambre avec une mezzanine. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre à part que je suis très contente et que je vous remercie de m'avoir soutenue. Je vous fais des gros bisous. Si jamais vous avez besoin
peut-être que je fasse une vidéo pour vous aider à trouver un appartement ou quoi que ce soit, parce qu'apparemment je gère. Si vous cherchez un appartement, je vous conseille de préparer votre dossier à l'avance, carte d'identité, RIB, tout ça, tout, en fait tous les papiers, faire un gros dossier avec un gros mail, pas juste bonjour je voudrais visiter l'appartement, est-ce que c'est bon. Faites ça vraiment au sérieux, parce que en fait plus le mail sera touchant et sérieux, et plus je pense que la personne se sentira touchée par vous. Je pense que ça joue beaucoup au feeling en fait, donc n'hésitez pas à rester vous-même et surtout à beaucoup expliquer les choses, à montrer que vous êtes motivé, et en général les personnes sont plutôt réceptives par rapport à ça. Donc c'était le petit conseil pour essayer d'avoir un appartement par Chexy. Je vous tiendrai au courant pour la reprise des lives. Il faudrait juste que je teste quelques trucs et puis que je m'achète un nouveau PC, parce que je n'ai qu'un PC portable pour le moment et je ne sais pas s'il tiendra le coup, donc c'est pour ça que je voudrais tester avant. Je vous tiens au courant, je vous fais des gros bisous. Ciao.